travaillé en tout cas sur ce système à trois derrière, puisque... Comme l'a très justement précisé Karine de Delphine Cascarino et de Sandy Baltimore, pour amener encore un petit peu plus de créativité et de folie dans cette deuxième période, et le talent, tout simplement. Exactement, des joueuses qui continuent à percuter avec l'entrée en jeu de la nuit. Défense centrale à trois. Trois arrières centrales avec Maëlle Lacraft qui va retrouver un rôle qu'elle connaît bien dans cette surface de réparation. Delphine Cascarino, quelle prise de balle orientée, elle est magnifique, un même pas rapproché, c'est repoussé. Et le super arrêt de Sofia Oliveira. Mais alors, quelle différence de fait dès le contrôle orienté de Delphine Cascarino. Pas besoin de dribble, juste utiliser son contrôle intérieur. Voilà, et ça permet d'éliminer la joueuse et elle décale une fois, une deuxième fois pour frapper. C'était bien joué, puis. Tremblement. Lors de l'Euro aussi, ça avait été une grande déception pour elle. Ça avait été une immense déception. Un petit peu. Elle est super rappelée, elle est pas la position de leur jeu. On l'a repris dans ces cas-là. La Grèce, le centre en retrait des bons. Là, rien. Il n'y a pas de sifflet, là. Oui, ça avait manqué, elle est débordée. Trouver ce ballon en retrait, mais on avait vu au-delà du Brésil et peut-être le Panama ou le Paraguay pour la Coupe du Monde. Et du coup, c'est un style très agressif sur le parterre. Il faut s'y habituer. Elle est sortie. Il était sorti le ballon, mais elle était partie une nouvelle fois dans ses œuvres. Delphine Cascarino. Xavier, j'ai votre réponse. Du côté du staff de Cognac, on me dit que c'est juste un choix pour la sortie de la milieu de terrain, mais plus de boulons. Non, ça continue. Même si elle est très forte de la tête. C'est qu'on sent qu'elle est quand même un joueur de la tête. Hein. Kézali, l'extérieur du pied de Delphine Cascarino. On va balbutier leur football. Les joueuses d'Ariel Longo. Le centre vers le premier poteau, pas loin de tromper la vigilance de Sofia Oliveira. Delphine Cascarino, de l'équipe de France, face à ses mêmes norvégiennes sur le score de 2-1. Avec Clara Mateo, on n'a pas eu la chance de la voir, et la balise non plus. Il faut de la concentration, mais ça passe peut-être par le dos. Carole Bermudez, récupération Insetoa. Delphine Cascarino, Naomi Feller, deux buts. En protection de Delphine Cascarino, elle veut récupérer ce ballon, le conserver avec Kenzadali. C'est un entrée intéressant pour jouer Thibaut avec beaucoup de calme, l'image de ses performances avec les Girondins de Bordeaux. Quand on dit c'est toi, Delphine Cascarino de nouveau, elle est seule face à la deuxième moyenne, ça ne lui pose pas de problème et va obtenir un corner. Ah oui, en plus, ça fait beaucoup de danger. Delphine Cascarino, le centre, la tête de Kéran, oui, justement, dans la compétition. Dernier ballon pour Maëlle Lacra. Il est fort pour Delphine Cascarino pour tenter de récupérer. Il y a un temps des joueuses avec beaucoup d'animation, de dédoublement, voilà, de percussion, deuxième temps un peu plus.